Ah, ça recommence. Mais pourquoi j'ai pas écouté ma mère qui voulait jamais habiter un rez-de-chaussée? Eh, quand on a des mâles élevés sur la tête, on peut jamais dormir tranquille. Oh, là, vos gueules là-haut! C'est pas bientôt fini ce boucan! Y'a quelqu'un en dessous! Oh! Hey, qu'est-ce qu'ils ont, les hommes? Y'a la guerre partout à l'extérieur, il faut encore qu'ils se tabassent à la maison. Hey, et tout ça pour avoir 30 balles de plus par mois. Si encore on veut bien leur donner, hein? Est-ce qu'on manifeste, nous, les clodos? Hein? Est-ce que moi, j'ai un syndicat qui défend mon droit à rien foutre? Parce que moi, Bébert, c'est en silence que je revendique la sécurité de l'inemploi. Tu les entends, ces empaquetés, là? Ah, y a pas à dire, hein. J'ai dû choisir le plus mauvais pont de Paris, moi. Ah, j'ai tout eu, tout! Les agriculteurs, les fonctionnaires, les médecins, les infirmières, les taxis, les camionneurs, les péripatés, les parapatis, les putes. Et j'en passe, hein. Oh. Silence, bande de sauvages! Vous allez me désaguer ma toiture? Oh! Je vais encore être obligé de mettre mes boules. Ah, ça va mieux. A besoin des flics, ils sont jamais là. Ah, ah ça, je veux pas de pavé chez moi, hein. Ah, tant pis, moi, j'appelle la police, hein. Oh, police, qu'est-ce que c'est que ce foutre-là, là? Oh, police! Ah, tout de même. Oh, monsieur l'agent, avec le respect que je dois à votre uniforme, je vous prierai de bien vouloir mettre un terme à l'échauffourée qui perturbe la sérénité de ces lieux. Oh, monsieur l'agent! Il a la tête de quel côté, celui-là? Oh, monsieur le sergent de ville! Veuillez, je vous prie, faire cesser ce bruit lancinant. Oh, il y a quelqu'un? Allez! Ouvrez votre visière, j'entends rien! C'est passé mal, faut le trou, oh. Attends, vous avez la visière coincée, oh. Bougez pas, oh. Hein! Oh. Ah non, pas les pavés, au secours, à moi, chef! Mais qu'est-ce que vous dites? Non, ne me frappez pas, monsieur, ne me frappez pas, hein. Je m'en vais tout de suite. Non, mais parlez plus fort, j'ai de la mie de pain dans les oreilles. Et puis, rendez-moi ma matraque. Hein? Non, la mienne, c'est que... Hein? La mienne. Qu'est-ce que... Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vos papiers. Mes papiers à moi? Oui. Ouais, bah là, je vais vous les donner. Vous voulez me le tenir 2 secondes? J'ai dû les mettre dans la caisse. Ah, bah écoutez, là, on dirait que c'est fini la manif, là. Eh, peut-être qu'ils vous cherchent, vos supérieurs, hein. Vos papiers! Oh, bah une minute! Vous êtes là en train d'emmerder une pauvre cloche qui vous a rien fait, pendant qu'il y a des malades qui s'étripent au premier étage. Ah, bah, tenez, voilà, ouais, mes papiers, monsieur l'agent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon permis de conduire. Hein. Ah, c'est tout ce qui me reste de ma deux chevaux. Hein. Ah, avec un porte-clés Saint-Christophe qui me sert à ouvrir les canettes de bière. C'est vous savez, monsieur l'agent, hein, quand les saints sont plus capables de vous protéger, l'auréole, ça peut servir de décapsuleur. Bon. Vous vous appelez Robert Redford. Oh, bon. Vous avez eu la tronche de Redford? Non, Reckefort avec un cul. Robert Reckefort dit Bébert. Moi, c'est pas ce que je lis. Mais ça, c'est à cause de l'humidité. Ah, j'ai ma caisse qui prend l'eau quand il pleut, alors ça fait déteindre les caractères. Possible, mais moi, là, je vois pas marqué Reckefort, hein. Je vois Redford. Putain, bah, ça, c'est parce que vous avez le cul dans la pliure. La queue du cul a déteint sur le haut du rond. Le haut du rond du quoi? Bah, le haut du rond du cul. Et alors? Mais alors que vous avez un cul minuscule avec la queue en l'air,
Ça fait un dé. Ah, vous prenez un cul normal, pop, vous le retournez, là, vous avez un dé. Vous, hein. Ah oui, comme ça, d'accord. Ah ouais, d'accord. Là. Bon, alors, vous en avez combien dans votre nom, Dédé? Ah non, moi, c'est pas Dédé, c'est Bébert, hein. Bien sûr. Là. Non, mais Redford, il y a un dé à la fin? Oui, mais là aussi, c'est un T. Ah non, faut savoir, hein. C'est un T ou c'est un dé? Non, attendez, quand je dis c'est un T, je veux dire c'est un dé qui a déteint par l'humidité. C'est un dé qui s'est teinté parce que si je venais des péqués, si elle est. Ah oui, d'accord. Bon, ici, les Moulineaux, c'est votre domicile? Oh ben, il y a longtemps que j'y habite plus. Hein. Ah, et vous habitez où maintenant? Ben, j'habite ici. Alors, au lieu de me dire, vous habitez plus ici? Non, attendez. J'habite plus ici, les Moulineaux. Mais maintenant, j'habite là avec mon moulinet pour aller à la pêche pour le. Autrement dit, depuis que vous avez quitté ici, vous habitez ici? Non, j'habite là. Ça me semble, monsieur l'agent, entre nous, pour moi, ici ou là, c'est du pareil au même. Hein. Ouais, tenez, je m'assois un petit peu parce que j'ai un peu mal à la tête. Hein. Oui, bah. Hey, c'est peut-être pas votre pointure. Hein. À mon avis, monsieur l'agent, vous devez être un peu trop serré sur les tempes. Vous voyez, moi, question couvre-chef, je prends large, moi. Et moi, c'est à cause du pinard qu'aurait plutôt tendance à me dilater les pariétaux les soirs d'excès. Ah non, moi, c'est pas la pointure, hein. Moi, c'est le quart. Quel quart? Le quart de police. Et il a reculé quand j'étais à quatre pattes derrière pour regarder s'il n'y avait pas des casseurs qui s'étaient cachés dessous. Alors, hey, j'ai eu la tête coincée entre le pare-choc du quart et le parapet du pont. Oh! Et vous êtes resté longtemps comme ça? Hein? Ah ben j'en sais rien, j'ai pas pu regarder ma montre parce que ma main était coincée sous la plaque minéralogique. Et manque de peau, vous avez pas pu vous échapper? Ah non, justement, à cause du pot d'échappement. Et il était rentré dans ma varose par le col de ma chemise. Alors, heureusement qu'ils ont arrêté le moteur, hein, parce qu'il y avait de la fumée qui commençait à sortir de ma braguette. Vous voulez pas enlever votre chapeau pour voir ce qui s'est passé en dessous? Ah, j'ai peur qu'on ait des surprises. Alors, remuez un peu la tête pour voir, là, comme ça. Vous vous sentez bien, là? Ah oui, très bien. Par contre, si c'est pas trop abusé, je reprendrai bien un peu de thé. Vous le voulez comment, le thé le... Ah, bien cuit, mais avec un peu de moutarde, si vous avez. J'ai plus de moutarde, j'ai mangé le dernier morceau avant-hier, alors je... Ah, moi, ça fait rien. Donnez-moi un ticket de métro à la place, il faut que je rentre chez moi, maintenant. Ah, mais c'est pas par là, oh. Venez là, monsieur l'agent. Hein? Venez là, je vais vous enlever votre casque, moi. Je vais essayer de vous le tirer parce que vous avez des réactions normales, anormales, là. Bougez pas. Alors, ça c'est les oreilles, ça. C'est pas des poignets, ça? Alors, bougez pas, on va dévisser. Oh! Alors, mettez la tête sur la caisse. Oui. Ouais, je vais vous débloquer le mécanisme. Vous inquiétez pas, j'ai fait de la tôle dans ma jeunesse. Quoi? De la tôlerie. Ah ouais, d'accord. Et vous faites ça? Bah, avec le pavé. Non, pas le pavé, hein. Non, pas le pavé, je ne supporte pas les pavés. Arrêtez les pavés. Non, regardez, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de cervelle. Allongez-vous un peu. En attendant que ça se passe, là, vous allez boire un petit coup. Tenez. Alors, là, faites gaffe. Hein, parce que ça, c'est durement pente un peu agressif. Mais il n'y a rien de tel pour vous faire oublier la connerie de là-haut. Ah oh, ben, buvez pas tout, là. Oh là, regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe au premier étage? C'est une manifestation. Ouais. Ah, mais attention, hein, c'est une manifestation qui a dégénéré. Nous, on était là pour veiller au grain. Et puis, ils nous ont attaqués à coups de pierre et de barres de fer. Alors, on s'est défendu comme on l'a pu, avec des jets d'eau puis des gaz lacrymogènes. Et c'est à ce moment-là, voyez-vous, qu'ils ont mis le feu à toutes les voitures qui étaient garées sur le quai, après avoir défoncé toutes les vitrines des magasins. Et c'était quoi comme manif? Un mouvement écologique qui fusionnait avec des non-violents. Ah, on dirait que ça recommence la manif là. Non, ben c'est pas vrai!
Mais regardez ça, si c'est pas malheureux. Il y en a même dans la police. Comment voulez-vous être protégé si les poulets ont la crête qui flotte? Ça c'est une bavure, hein. Alors là, pour une bavure, ça c'est une bavure. Est-ce que je suis... Oh merde. Je devrais arrêter le Sidi Ibrahim. C'est un vin trop lourd. On peut pourtant pas dire que 4 ou 5 litres par jour, ça soit déraisonnable. À mon avis, c'est le tanin qui fait mal. Ah. Ouais, je devrais me mettre au cacao pour le petit déjeuner. Ah, seulement voilà. Là. Le chocolat avec un camembert qui se tire, ça c'est pas très bon pour l'estomac. Allez, à table, bébé. Vos papiers. Ah, 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 disais bien qu'il se barrait mon camembert. Oh, mes papiers, mais ça va pas recommencer, non? C'est tout ce qu'on vous apprend dans la police? Hein, demandez les papiers aux gens. Ah, c'est pas vous qui me les avez demandés hier, mes papiers? Moi? Je me souviens plus. Ouais, remarquez, c'est normal. Parce que les briques sur la tronche, c'est pas très bon pour la mémoire. Ah, écoutez, là. On dirait que c'est fini, la manif. Manif? Ouais. Quelle manif? Bah, la manif d'hier. Bah, celle qui vous a fait atterrir dans ma poubelle. Mais quelle poubelle? Hier, vous êtes venu vous réfugier chez moi pour éviter les pacifistes. Et puis, d'après le soleil, bah, vous avez passé la nuit ici. Ah, ça y est, ça me revient. Oh là là, oh oui, oh. Oh, excusez-moi, j'ai dû avoir un coup de pompe, hein. Ouais. Ah. Oh, qu'est-ce que j'ai mal, là. Hein? Oh, j'ai mal, j'ai très mal. Ah, bah, ça ne m'étonne pas, regardez. Regardez, vous êtes assis sur mon tire-bouchon. Oh. Oh, oh, oh. Eh, mon camembert. Attention, hein. Faut pas rester là, monsieur l'agent. Hein. Vos supérieurs, ils vont vous chercher. Hein. Vous allez reprendre vos outils de travail, puis vous allez quitter ma villa. Hein. Moi, je veux pas être impliqué dans une prise d'otage. Dites-moi, sans vouloir déranger, je peux pas rester encore un moment? Je me sens un peu fatigué. Non, ben, vous croyez à l'hôtel? Vous voulez peut-être que je vous monte un petit déjeuner avec un jus d'orange, des fleurs? Non, vous êtes trop gentil. Non, j'ai juste besoin de récupérer un peu, c'est tout. Quoi. Remarquez, je comprends. Le droit d'asile, ça compte. Et vous faites un métier crevant, hein. Ouais, à qui le dites-vous? Eh ben, à vous, il n'y a que nous deux ici. Écoutez, c'est bien simple. Depuis que je suis rentré dans la police, je n'arrête pas. Ouais, eh ben, moi, ça ne me plairait pas, votre boulot. Parce que moi, j'ai besoin de repos entre deux siestes. Ah, ça, nous, on n'a pas le temps, hein. Eh ben, faut le prendre. Ben, faut le prendre, mon gars. Il faut savoir dormir entre parenthèses pour éviter les ennuis majuscules. Mais c'est pas possible, ça, on a beaucoup trop de boulot. On va toujours d'une castagne à l'autre. Tenez-moi qui vous parle ces derniers temps. J'ai été sur tous les bons coups. La Corse, les toquers du Havre, le quartier latin, les Bretons, les Basques, les lycéens en folie, Vaux en volin. Ah bah oui, Vaux. Vaux, oui. Mantes, ouais. Sartrouville. Oh. Et j'en oublie, hein. Ah, vous savez, j'en ai pris des projectiles dans la figure. Ah ouais. Et regardez là, vous voyez, là, l'arcade sourcilière, ben ça c'est un boulon de chez Renault. Ouais. C'est un gros ça. Oh là, même carrément un morceau de safran qui m'ont envoyé les vaches. Oh. Là sous la narine, un coup de manche de pioche par un vigneron de l'Hérault. Et là sous le menton, un coup de chaîne de vélo, la sarcelle. Et l'enflure du nez là, c'est quoi ça, hein, ça? Ah non, c'est une naissance. Et attendez, hein, attendez, je ne vous dis pas où j'ai reçu un pavé, le plat de résistance. En somme, ce que vous aviez pris avant, c'était que des amuse-gueules. Ouais. Je comprends que vous ayez des réticences à regagner vos quartiers. Hein. Vous êtes marié? Non. Ben, vaut mieux. Dans votre métier, il vaut mieux être célibataire. Hein. Ah non, c'est pas ça, non. J'ai jamais pu me marier. Voilà.
Bah, pourquoi? Oh, c'est... Eh, ce clan plein, il faut dans chez lui les picrons, et puis le bleu flip, l'air double blou, alors que peut-être son job, c'est un navire bleu qui, alors vous allez, hein, vous comprenez, quoi. Oui, mais pas tout, hein. Je veux dire que je n'ai pas pu me marier, c'est parce que je n'ai pas pu me marier, c'est à cause du pavé. Vous savez, monsieur l'agent, c'est pas normal qu'on reste là, vous et moi, à faire la conversation. Hein. Vous savez, les chats, c'est pas fait pour cohabiter avec les rats de cave. Hein. Ah, c'est drôle. Vous savez, hein, j'en ai rencontré des clochards dans ma vie. Bah oui, ça. Mais vous, ah, vous avez pas l'air d'un rat comme les autres. Hein. Non. Moi? Non. Ouais, bah moi, c'est peut-être parce que je suis, comme qui dirait, un clochard à l'ancienne. On n'en fait plus des masses des comme moi maintenant. Bah non. C'est les jeunes qui prennent nos places, hein. Eh, les chômeurs, les sans-abri. Et moi, si je suis à la cloche, c'est qu'il y a des raisons. Ah ouais, ouais, moi, je suis comme vous, moi. J'en ai eu des turbulences professionnelles. Hein. Tenez, je vais vous raconter comment tout ça, ça a commencé. Il y a une vingtaine d'années, vous avez 2 minutes, là? Oui, oui. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, j'avais créé une petite fabrique d'articles de pêche. Ouais, je m'étais spécialisé dans la fabrication des bouchons, vous savez, pour les lignes. Et alors, on a... Vous savez, des bouchons pour aller à la pêche. Des bouchons pour... C'est... Oh, bon, je vais vous faire voir ce que c'est. Oh, il a pas inventé la poudre, celui-là. J'en ai gardé quelques-uns en souvenir. Voilà, regardez, là, c'est ça que je fabriquais, vous voyez. Oh, des bouchons. C'est bien pour la pêche, ça. Oh. Eh ben, le fisc m'est tombé dessus au moment où ça commençait à bien marcher. Et là, j'ai été pris à la gorge par une tapée de caisse de retraite et d'assurance maquerelle. J'ai fait le tapin pour tous ces souteneurs de l'État. Et là, ils m'ont fait couler avec mon usine de flotteurs. Et pour tout arranger, Christiane... Christiane? Ben, Christiane, c'était ma femme. La salope, elle s'est barrée avec le mec qui forgeait mes hameçons. Elle était mordue, quoi. Et un inspecteur du fisc nommé Flocard m'a amené une sacrée note de l'hôtel des impôts. Hein. Alors lui, je vous dis pas, il m'a toujours avec tout, jusqu'à mon cure-dent. Alors vous voyez, tout ça, ça m'a donné un certain goût pour la solitude. Puis comme j'avais pas de famille, bah, petit à petit, j'ai touché un peu à ça, puis me suis retrouvé à la cloche. Mais dites-moi... Et alors, vous ne regrettez jamais la vie que vous aviez avant, enfin, avec votre femme? Oh non, vous savez, pour moi, les femmes maintenant... Non mais, quand le philosophe a bu un coup, le cul de la bouteille vaut celui de la plus belle femme du monde. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est une phrase qu'on pourrait écrire. Ouais. Qui c'est qui a dit ça? Eh ben, c'est moi. Bravo, hein. Ah, parce que chez nous, mon petit gars... Eh ben, des philosophes, il y en a plus qu'on pense. Ouais. Nous, on a le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, et la loi morale est en nous. Vous voyez, hein. J'ai peut-être plus très bien causé, mais j'aime encore les jolis mots, hein. Ouais, ça, c'est Emmanuel Kant qui a dit ça. Ouais. Vous savez peut-être pas qui c'est. Ben non. Non, vous savez, quand je viens dans le quartier, j'ai pas le temps de me faire des relations. Hein. Oh. Emmanuel Kant, c'était un philosophe allemand. Ah, il est mort? Oui, ah, oui, ça, il est mort. Hein. Il est même très, 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 très mort. Hein. Du reste, tous les vrais philosophes, ils sont tous morts. Oh, ouais. Aristote, Nietzsche, Leibniz. Ah, lui, je le connais. Hein.
C'est l'inventeur du potage en boîte. Et non. Là, vous confondez avec Liebig. Vous êtes en plein bouillon de culture, là. Eh, pas. Alors, vous en savez des choses pour un clochard. Ouais. Ouais, mais ça, c'est peut-être parce que depuis que la société, elle m'a collé sous les pompes, ben maintenant, les gens, je les vois par en dessous. Hein. Ouais. Alors, croyez-moi, la crasse, ils l'ont pas toujours que sur la figure. Hein. Oh. Eh, bouillon de culture, j'ai compris. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais je voudrais pas que les copains me voient avec vous. Hein. Ça pourrait nuire à ma réputation lorsque vous les dégagez. Oui, et puis moi, il faut que j'aille à l'infirmerie parce que j'ai une de ces migraines. Oui, ben ça s'entend quand vous parlez. Hein. Ah, mais c'est curieux. Mais... Vous ressemblez à mon père. Oui, ben c'est pas moi, je devais être à l'étranger quand vous êtes né. Moi. Ah, vous savez, il était représentant en confiserie. Il faisait ses livraisons dans les épiceries de campagne avec sa petite camionnette. Ça peut pas être moi, j'ai jamais une camionnette et j'aime pas la campagne. Ah, oh, c'est vous, hein. Non, tout à fait. Ouais. À part le front, les yeux, le nez et la bouche. Et puis il était plus gros aussi, puis bien plus grand. Hein. Il faisait plus d'1m80, c'était un bel homme. Hein. Il est mort? Oui, il est mort étranglé. Quoi? On l'a assassiné? Non, il s'est étranglé tout seul. Ah, il faisait tout seul, c'était un type formidable. Et il s'est étranglé en avalant un rouleau de réglisse qu'il était en train de manger pour éviter de fumer en conduisant. Alors, arrivé à un carrefour, il a freiné un peu brusquement pour éviter un poids lourd. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu une caisse de sucette sur la nuque. Plaf! Et là, voyez-vous, sous le coup de la caisse, comme ça, il a avalé le rouleau de réglisse avec la petite boule rouge. C'est la petite boule rouge qui lui est tombée dans la dragée arrière. C'est pas dans la dragée arrière, c'est dans la trachée artère qu'elle est tombée, la boule. Hein? Pourquoi vous étiez dans le véhicule au moment de l'accident? Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir où est tombée la petite boule rouge? Non, je vous le demande. Hein? Bon, je continue. Qu'est-ce que je disais déjà? Que je ressemblais à votre père. Possible. Mais moi, je trouve pas. Enfin, chacun va midi à sa porte. Hein. Ça dure à ce moment, il est temps que j'y aille maintenant. Voilà, c'est ça. Encore 7 ans, mais c'est pas par là. Si vous cherchez les escaliers, vous allez les trouver en longeant la Seine de ce côté-là. Ah là? Ah ouais. Merci. Hein. Et au revoir. Ah ben, mon Dieu. Celui-là, il a pris un sacré coup de boule sur la tronche. Hein. Oh, je ressemble à son père. Alors, là, le pauvre mec. Ah, moi, si j'avais eu un fils qui aurait voulu être policier, ça, j'y aurais fait faire des études, hein, pour qu'il soit au moins ministre de l'Intérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, on risque moins qu'à l'extérieur. Hein. Dis donc, tu pêches à toi, là. Oh, au bridel, 45% moulé à la louche. Dégage. Tu serais pas un peu avancé, ton appât, là? Quoi, tu rigoles, hein? Je l'ai acheté il y a à peine 3 semaines. Oh, j'en ai un. Ah, t'as quelque chose? Ouais. Hein? Tiens, passe-moi l'épuisette. Ouais, où ça? Près du mur. Ouais. Ben, vous... Allez, vite! Ouais, j'arrive. Non, viens là dans l'eau. Mais non, plus bas. Pas plus bas, t'es marrant. C'est pas... Mais dis donc, c'est quoi, là? Chut.
je sais pas ce que c'est, mais c'est gros. Eh ben dis donc, là, pour une belle pièce, ça, c'est une belle pièce, hein. Oula. Ah non, c'est marrant, dis donc. Ça m'a fait comme une touche de brochet. Oh ben c'est normal, ça. Hein? C'est l'Ariel, hein. Ben ça fait toujours ça, c'est à cause des enzymes gloutons. Dis donc, t'as de la veine, parce que j'ai un copain qui pêche à Grenelle. Lui, il prend des godasses, hein. Tu rigoles? Mais des fois, moi, ici, je prends des gardons à l'ananas. Ah ouais? Tu devrais mettre un jerrycan à la place. Hein. Les poissons de la Seine, ça bouffe que du mazout. Oh, remarque, c'est pas con, ça. Oui, il y a longtemps que t'es là. Ah, il y a une paye que je suis là, ouais. Avant d'être là, j'étais à Bercy, mais j'ai dû m'exiler parce que maintenant, le coin, il est devenu infréquentable. Hein. Bah, pourquoi? Il y a le malaise des banlieues. À Bercy, c'est pire. Ah, il y a le ministère des Finances. Et alors? T'as rien à craindre, hein? Oh. T'es tout de même pas imposable. Oh, 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 oh. Tu veux dire qu'ils peuvent plus rien me piquer de plus belle lurette, mais avec eux, je me méfie. Oh, bon. Attends, là. Moi non plus, je te connais pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yvette. Je voyage beaucoup, moi. Je suis dans les métaux non ferreux. Je fais de la récupération. Oh. Eh ben, mon jeu. Dis donc, avec ce que t'as l'air d'éclusé, tu vas faire rouiller ton cuivre. Oh, t'occupes, hein. T'es de passage ou tu viens t'installer, là? Non, moi je suis de passage. Quand il y a les manifs qui dégénèrent, je viens récupérer les boulons, les barres de fer, puis je les revends au ferrailleur. Je connais bien le prix de la ferraille, moi. Je travaillais en usine avant de me faire virer pour compression de personnel. Qu'est-ce que tu veux? Oh, dans le fond, maintenant, t'as trouvé la combine. Hein? Ouais. C'est comme pour les pruniers. Là-haut, il y a les autres qui se secouent et en bas, c'est toi qui ramasses. Hein? Ah, t'es un marrant, t'es. Où c'est que tu crèches? À l'hiver, j'ai ma résidence principale au Châtelet. Enfin, sur les bouches de métro, quoi. Et puis l'été, ben, je fais du camping avec ma poussette. Et là, je pourrais rester un petit peu ici. Hein? Bah, alors, là, faut voir, hein. Moi, je te préviens, je suis un solitaire, hein. Ah, bah, ça, j'ai vu ça ce matin, hein. Elle était mignonne, ta policière à moustache. Quoi? Rien. Alors, je veux bien que tu t'installes un peu ici, mais là, attention, j'ai mes habitudes, hein. Oh, t'en fais pas, hein. Tu gênerais pas, hein. C'est juste pour dormir. Ah, de toute façon, moi, pour la distraction, j'ai mon magnétoscope, alors. T'as un magnétoscope? Bah ouais, j'ai un magnétoscope. Et où qu'il est? Bah cherche. Hein? Ouais. Non, il est pas là. Ouais. Non, c'est froid, là. Bah où? Il est là. Quoi? Ça? Ouais. J'ai qu'à zapper d'une bouteille à l'autre. Et pour avoir mes dallas dans la tête, tu vois. Malheureusement, j'ai beau changer de bouteille, je vois toujours la même émission. Putain de soirée, tu te souviens? Oh, moi, tu sais, la télé, à partir d'une certaine heure, j'ai du mal à la voir en clair. Hein. Ouais. Et ben, t'as qu'à fumer un joint! Oh, certainement pas! Comme décodeur, y a pas mieux! Tu parles. Tu l'allumes, ta cannelle plus pour point rond! Oh. Dès la première bouffée, mais t'as le réseau câblé dans la tête! Non! Moi, je touche pas à la technologie des pommées d'aujourd'hui, moi. Parce que moi, madame, je suis un conservateur. Oh. Je préfère le pinard qui tâche au pétard qui tue. Mais vous, les jeunes clodos, vous avez même plus le respect des traditions. Ah non, attention, monsieur, attention, moi, je suis pas une clocharde. Voilà, tu l'as vu, celui-là, hein? Oui, bon. Je suis une SDF. Hein. Oui, sans domicile fixe. Ah, ouais. Et puis que je suis au monde, je me suis toujours fait foutre dehors, alors. Par mes vieux, par l'école, par mon chef d'atelier. Je me suis tellement fait foutre dehors, moi, j'ai pensé que j'étais faite pour le plein air. Alors, j'ai tapiné un peu, rue Saint-Denis. Bah, et pourquoi tu n'as pas continué? Ça gagne bien dans ce quartier, là. Tu rigoles? Bah, depuis le sida, le client chipote sur la marchandise. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça lui donne du mou dans la corde à nœud. Hein. Alors, pour les filles qui sont encore comestibles, je te raconte pas le travail à la chaîne. Hein. Moi, ça m'a rappelé l'usine. Hein. Ah, j'ai pas pu supporter les cadences infernales. Hein. Puis en plus, j'étais trop affectueuse comme tapin. Dès qu'un client était gentil avec moi, je perdais complètement les pédales. J'essayais bien de me raisonner en comptant les mouches au plafond, mais je t'en fous. Hein. Ah ouais, puis surtout maintenant. Avec les insecticides, des mouches, il n'y en a plus des masses, alors... C'est pour ça que t'as laissé tomber? Non,
Non, il n'y a pas que pour ça. Entre deux clients, là, j'avais pris l'habitude d'aller me taper un godet. Ah non, là, faut pas ça. Hein. Ouais, mais histoire de me reposer l'outillage, je voudrais t'y voir. Moi? À moi de ce côté-là, il y a longtemps que ma blaquette d'équerre, elle est tombée en panne, hein. Ah ben, au bout de 6 mois, là, j'avais tendance à chanter la Marseillaise en faisant la brouette indochinoise. Ça te fait marrer, ça? Un peu. C'était une de mes spécialités. La Marseillaise? Pour la Marseillaise, la brouette indochinoise. La brouette. Bon, je te montrerai. Oh ben, rêve pas, quand même. Puis comme dans ce domaine, le consommateur, il aime pas tellement qu'on mélange les genres, tu vois. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ce métier. Alors petit à petit, ben, qu'est-ce que tu veux, je me suis réfugiée dans le muscadet, puis je me suis retrouvée à la rue. Et l'hiver? Non. Ah, l'hiver, comment que tu fais? Moi, encore ici, je suis organisé depuis le temps que je suis là, tu parles. Si ça caille trop l'hiver, moi j'ai un bras zéro derrière le mur. Je me mets des caleçons longs, j'ai des moufles, j'ai même un miroir à deux faces, alors, tu vois. Mais toi, tes nouvelles dans le métier de ceux qui n'en ont plus? Bah, l'hiver, quand ça caille trop, qu'est-ce que tu veux, je vais à l'armée du salut. Hein. Ou chez l'abbé Pierre. T'es croyante? Je peux pas faire autrement. Hein. Ah, puis c'est tout ce qui me reste comme illusion. La misère, ça rapproche du bon Dieu, tu sais, toi, ça. Oh, oui. Tiens, ben, donne ton machin, donne ça. Moi, c'est surtout Jésus qui me botte, tu vois. Il a pas eu de peau, il en plus, Jésus, hein. Quand tu penses que sa vieille s'est fait foutre en clope par l'homme invisible, il l'a bien laissé se démerder toute seule, hein. Quant à lui, toute sa vie, il est tombé sur des traînelates qui croyaient pas en ses idées. Tout ça pour se faire balancer aux flics par un indic qui faisait partie de ses meilleurs potes. Non, mais c'est pas beau, ça? Si, là, vu sous cet angle, c'est plutôt cocasse, hein. Ben, qu'est-ce que tu veux? Depuis que le monde est monde, on est entouré de macros. Oh, merde, ouais, regarde. Des chaussettes toutes neuves, hein. Je vais faire une reprise. Tu vois mon macro à moi? Enfin, je devrais plutôt dire mon Judas. Ben, il s'appelait Flocard, il était inspecteur du fisc et c'est lui qui m'a balancé au percepteur. Oh! Ouais. Oh le salaud! Oh. Allez, tiens, bois un coup, va. On va partir en rêve, là, dans le clocher de Notre-Dame, à côté des gargouilles qui nous ressemblent. Ouais, t'as raison. Comme nous, elles ont des gueules bizarres, mais elles sont pas méchantes. On va se payer un voyage dans un pays qu'on connaît bien, va. Celui des pigeons. Ah, moi, si ça continue, je vais aller vivre à la campagne, hein. Au lieu de faire les poubelles, je ramasserai le crottin puis la bouse de vache. Hein? Ça sent peut-être pas bon, mais au moins, à la campagne, il y a des arbres, hein. Et puis dans les arbres, il y a des oiseaux qui chantent. Au lieu d'entendre ça là-haut, là. Oh. Et ils sont marrants. J'en voudrais bien moi aussi des sous, hein. Seulement, j'en trouve pas dans les caniveaux, hein. Même dans le 16e. C'est vrai que les riches, ils ont jamais d'argent sur eux. Pas fort de liquide. Ouais, eux, c'est la pierre, l'American Express. Les ponts en Suisse, c'est vrai qu'un vrai riche, ça voit rarement la couleur de ses bifetons. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tristes et puis qu'on les entend jamais chanter, les riches. Ouais, parce que moi, Bébert, moi, quand j'ai 100 balles dans ma poche, moi, je deviens Pavarotti, moi. J'ai une vie bien belle, pour qui sait la comprendre, elle m'offre des trésors de richesse infinie. Elle m'offre... Et t'attends, oh non! Oh merde, le v'là revenu! Mais il prend un abonnement ou quoi? Oh, monsieur l'agent, faut pas rester là! Faut se lever parce que Bébert, il a du travail, hein!
Et il faut pas que le policier tâche son costard dans une poubelle. Oh! Debout! Allez, debout! Oh! Allez, debout, debout! Ah, oh, la vache, il est lourd! Allez, debout! Allez, hop! Oh! Oh, oh non, alors là, excusez-moi de vous déranger, mais je pouvais pas savoir, hein? Bah, tu déranges pas. Oh, bah, il est revenu, ton petit ami, là! Attention! C'est pas mon petit ami, hein? Parce que des mecs comme lui, j'en ai assez vu quand le fils qui m'a foutu en tôle. Ah, tes histoires d'impôts. Ah ouais. Mais c'est quand même pas pour ça que t'es devenu homo textuel. Oh. Alors dis donc, si tous ceux qui ont des emmerdes avec leurs impôts devenaient pédés, il y a longtemps que les Français se reproduiraient plus, hein. Alors, c'est qui, là? T'es couché avec lui l'autre matin, c'est quelqu'un de ta famille, tu fais hôtel ou quoi? Mais il s'était fait assommer pendant une manif. Regarde, c'est le même qui est revenu là. C'est la deuxième fois qu'il est là, celui-là. Là. Ah, non, il doit prendre le coin pour un dispensaire. Hein. Alors, faudra peut-être faire quelque chose, parce que tu veux. Bon, alors écoute-moi, toi, tu vas faire ce que tu veux, mais moi, hein, tiens, je vais aller à la pêche, moi. Occupe-t'en, toi, t'as la main plus douce. Oh! La volaille! Ah ben c'est pas le moment de roupiller, là. J'ai lu dans le journal que les paysans du Vaucluse allaient monter à Paris la semaine prochaine. Faudra vous entraîner au lancer de la tomate, hein. Quelle heure qu'il est? J'en sais rien, j'ai pas de montre, hein. Papa est parti au travail? Qui ça? Papa, il a dit qu'il allait me rapporter un ours. Un ours? Oui, un gros nounours avec des yeux qui bougent. C'est vous la dame qui vient garder Mimiche? Qui c'est Mimiche? C'est ma sœur. Eh, elle veut plus manger sa viande depuis que maman fait des bisous au facteur. Ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Pierre, c'est joli, hein? Tous ces oiseaux qui chantent comme ça, c'est beau. C'est quoi comme oiseau, ça? Oh, bah, faut pas rester debout, c'est le commissaire, hein? Ah, ça tombe bien parce que j'avais un peu mal à la tête. Ah, vous avez dû prendre un sale coup sur la cafetière, vous? Mais non, c'est parce que j'ai attrapé la varicelle. Et j'ai plein de boutons sur le ventre. Regardez ça, eh? Regardez, j'en ai des qui brillent et puis j'en ai des qui grattent. Ça gratte, ça? Me chatouille. Non, allez, faut pas se rater. Ça va vous faire des trous partout. Puis après, ça fera rigoler les manifestants quand vous serez CRS. Ah, je veux pas être CRS, moi. Ah non. Encore, je serai grand, je vais faire comme papa. Je vais travailler dans la douceur. Bonbons, friandises, c'est crevé. Hey, j'achèterai une petite camionnette pour faire mes livraisons. Hey, faites attention, je vais faire une marche arrière. Il est pas fou, hein? Je passerai par les routes départementales. Hein, là où il n'y a pas de CRS. Puis plus tard, mais beaucoup plus tard, j'achèterai une petite maison. Oui, tout à côté, dans un petit village bien tranquille. Tout à côté du d'école maternelle. Hein? Et puis là, je vendrai des carambars et des chamallows aux enfants. Ah ouais, j'aurai des grands bocaux en verre avec des berlingots de toutes les couleurs. Puis le dimanche matin, je me leverai avec le soleil pour aller baigner mon corps nu dans la rivière. Nyaouf! Chlaouf! Tsoukoum! 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 Puis après, pour me sécher, j'irai jouer de la flûte dans les pâturages. Oula! Bah, en attendant, mettez ça sur votre bosse, hein, parce que... La symphonie pastorale dans les grandes cités, c'est pas encore pour demain. Hein. Ah bon? Et alors, dites-moi, vous êtes qui, vous? Oh, là, mon pauvre monsieur. Depuis le temps qu'on m'appelle plus par mon nom, je sais même plus qui je suis, moi. Hein? Vos papiers? Les papiers... Là, je vois que vous êtes guéri, hein? Chassez l'hirondelle, elle revient à vélo. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouais, bah, une minute, s'il vous plaît, hein? Permettez que je fouille dans mon réticule, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous avez eu un coup de buis.
Puis je vous ai donné les premiers soins, voilà. Vous êtes au pavillon des urgences, à l'hôpital de la Cloche. D'ailleurs, il paraît que vous êtes déjà venu dans le service du docteur Bébert. Ah oui, ça y est, ça me revient. Mais oui, c'est quand j'ai eu la tête coincée entre le pare-choc du car et le parapet du pont. Bah vous avez dû rechuter, hein. Ah ouais, même que cette fois, c'est la moto d'un casseur qui m'est rentré dedans et qui m'a projeté dans la vitrine d'une charcuterie. Oh ben dis donc, c'est embêtant, hein. Ouais. Si c'est vous qui avez abîmé la moto avec votre tête, la famille du jeune homme a porté plainte, hein. Ah. Hein, dis donc, vous avez brisé la vitrine de la charcuterie, hein. Oh, j'ai bien peur que oui. En fait, tenez, j'ai encore du pâté dans les cheveux. Eh ben ça, le commerçant va vous attaquer pour bris de glace, hein. Monsieur l'agent. Oui. Vous voulez mes papiers, moi ? Non, regardez, finalement, je m'en fous. C'est un pur réflexe professionnel. Excusez-moi. Ouais. Moi, bien, vous remercier là bien, monsieur Redford, pour son hospitalité. C'est ça. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Hé hey ! Oui ? Remercier qui ? Monsieur Redford. Redford, avec un cul. Ouais, vous prenez un petit dé, vous le retournez, ça fait un petit cul. Hein. Oui, c'est le nom du clochard qui vit sous le pont. Ouais, j'y suis. C'est Bébert. Hein? Il s'appelle Bébert, oui. C'est un brave type, hein. Il s'est retrouvé à la Cloche à cause du fisc. Ah, dans le fond, je l'envie un peu. Vous savez, de nos jours, hein, il vaut mieux vivre en sous-sol. On est moins exposé à la pollution. Oh, bah, croyez pas ça. Le plus toxique, c'est ce qui sort de la bouche des hommes, hein. Ah bon? Les conneries verbales sont souvent plus dangereuses que le gaz carbonique. Ah, vous êtes encore là, vous? Non, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, bah, ça, c'est un gueuleton au frais de la manif. Eh, les poissons voulaient pas mordre, j'ai été voir dans la rue, j'ai trouvé un traiteur qui était encore ouvert. Et avec quoi t'as payé tout ça? Ça m'a pas coûté un rond, je suis rentré dans la boutique par la vitrine. Ouais, c'est fou le nombre de magasins qui font libre service après les bagarres. Eh, dites-moi, c'est pas la charcuterie qui fait le coin du boulevard là-haut? Ouais, là je peux. Hein. Oh, bah, ça c'est marrant, C'est peut-être celle que vous avez ouvert avec votre tête. Possible, vous savez, j'ai pas eu le temps de noter la losse. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a poussé dans une vitrine. Ça doit être celle de ton magasin. Il a encore du pâté dans les cheveux. Alors c'est facile, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Bougez pas, hein. Attendez là. Voilà. Un front. C'est le même magasin, hein. C'est de la terrine de lièvre à l'Armagnac. Ça gagne un poil avec les pellicules. Ah, monsieur l'agent, vous allez bien casser une croûte avec nous, puisque dans le fond, c'est un petit peu à vous qu'on doit tout ça. Non, merci, vous êtes gentil, mais vous savez, mon docteur m'a interdit la charcuterie. Oh. Surtout le pâté de tête. Oh. Regardez là, il y a autre chose. Hein. Du poulet, ça vous tente, hein? Non, merci. D'abord, il faut que je rentre parce que le commandant va s'inquiéter. Hein. Là, il va être inquiet, le commandant, là. Hein. Allez, au revoir, monsieur Arafat. Oh! Monsieur l'agent, si jamais vous revenez pour une autre manif, je me ferai un plaisir de vous préparer votre poubelle, hein! Non, ce coup-là, il a pris un bon coup, hein? Eh oui. Et toi, Weber, là, t'as pas hésité au point de vue bouffe, hein? Et t'aurais dû piquer un congélateur pendant que tu y étais. Oh, un congélateur, tu m'arrêtes pas encore. Oh, attention, t'as perdu un truc, là. C'est quoi, ça? Oh, tu joues au loto, toi? Non. T'as assez de blé pour investir dans cette escroquerie? Pardon, moi, de ce côté-là, j'ai assez donné à l'État. Hein. Non, c'est Madame Crésus qui m'en a fait cadeau. Ah ouais? Non, bah, qui c'est, Madame Crésus, là? C'est une veuve qui habite le 16e. Ouais, je connais pas son nom, mais... comme elle est gentille avec moi, je l'appelle Madame Crésus. Oh, elle a du fric? Ah ça oui, je veux, elle a du fric. Hein. Son mari en avait. Il vendait des maisons préfabriquées aux gens qui n'avaient pas les moyens de les acheter. Alors lui, il s'est fait une fortune en prenant l'argent des pauvres. Il est mort? Ouais, il est mort. Quel enconnement, hein. Tu vois, c'est lui qui avait créé une petite cité d'habitation juste à l'embranchement de l'autoroute de la Plaine Saint-Denis. Près de l'échangeur, avec toutes les fenêtres entre le camping, la décharge municipale, avec les balcons sur la voie ferrée. Il avait appelé ça la cité du bonheur. Et puis le jour de l'inauguration, il a refermé un peu fort la porte du pavillon modèle et là, il a reçu la mezzanine sur la gueule. Alors, bah, depuis, sa veuve habite un quartier plus solide. Maintenant, elle est dans le 16e. Ah ouais, dans un immeuble en pierre de taille. Ouais. Ah, moi, des fois, je vais dans sa rue pour jouer un peu d'harmonica, puis j'y tiens la porte quand elle va faire pisser son Yorkshire.
Alors des fois, pour me remercier, bah, elle me donne un billet du loto. Et t'as déjà gagné avec? Et donc, t'en connais beaucoup, toi, des gens qui touchent 7 fois de suite le numéro plein à la roulette? Ah bah, mais qu'est-ce que tu fabriques, là? Bah, je pense au flic, j'y prépare sa poubelle pour la prochaine fois. Ah bah, dans le fond, toi, Bébert, t'es un tendre. Ouais, peut-être, ouais. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de gosse. Puis il paraît que je ressemble à son père. Ah. Ah, j'aurais bien voulu avoir un grand garçon, moi, qui viendrait me voir dans ma petite maison, à la campagne. Puis alors là, là, il aurait sa chambre à lui, hein, avec un lit bateau, près d'une fenêtre qui donnerait sur la rivière, avec la couette de grand-mère qui sentirait la lavande. Puis le couvre-lit en dentelle que je voyais dans la chambre de mes parents quand j'étais tout petit. Et que j'allais les embrasser pour leur dire que je les aimais. Tu vois, mon fils, il viendrait tous les vendredis. Pour le week-end, hein, bah, hein, comme tout le monde. Hein. Ah, puis moi, l'après-midi, j'aurais été dans mon jardin. J'aurais été cueillir des fleurs pour lui mettre sur sa table de nuit. Ouais, mais il serait pas flic quand même. Oh ben non. Hey, puisqu'on est dans le rêve, autant lui donner une bonne situation, hein. Non, il serait... Tiens, il serait ingénieur agronome. Où ça? Agronome. Oh, ça veut dire qu'il essaierait de trouver des solutions pour que nos petits-enfants bouffent pas trop de saloperies vers l'an 2000. Hey. Ou même avant, hein. Ah, tu vois, je serais fier de mon fils, moi, si j'en avais un. Ouais, en attendant, t'en as jamais eu. Et à ton âge, il est un peu tard pour aller chez prénatal, hein. Bon, bon. Non, je souhaite bien, mais... Des fois, ça me fait plaisir de mettre un peu de violon dans les chansons de la rue. Parce que le pinard, bon, bah... D'accord, mais... Ça suffit pas, hein. C'est pas lui qui fait pousser les violettes entre les pavés, non, hein. Tu vois, Bébert... S'il n'y avait pas la différence d'âge, eh ben peut-être qu'on l'aurait eu ensemble. Le grand garçon, là, qui vit dans sa tête. On n'a pas pris les bonnes routes, puis... On se retrouve au carrefour des parents perdus. Ah oui. Toi non plus, t'as jamais eu de gosse? Si. Moi, j'ai une fille. T'as une fille? Quel âge elle a? Ça n'a aucune importance. À quoi ça sert, l'âge? À te filer des rides en lisant ta carte d'identité, c'est tout. Faut jamais dire à son corps qu'il est en train de se faner. Faut le laisser jouer à la marelle sur le paradis. Ou sur l'enfer. Ma fille et moi, on a le même âge. Ah, excuse-moi, là, je comprends plus, hein. Ah, tu vas comprendre, Bébert, tiens. Mais regarde, c'est ma fille, ça. Ouais. Elle a 5 ans. Quand je l'ai eue, j'étais pas plus grande qu'elle. C'est le seul cadeau qu'on m'a fait dans ma vie. Alors quand je la regarde, chaque fois je retrouve mes 5 ans. Tu sais ce qu'on va faire, Yvette? Non, je sais plus. On va coucher ta fille dans le lit bateau. Oui. Dans un vrai lit. À la campagne. Près de la fenêtre qui donne sur la rivière. Puis en attendant mon fils, on va s'allumer un feu de bois. Ouais. Tu sais, un joli feu de bois, plein de lumière qui danse. Quand on pense plus à rien. Ouais, t'as raison, Bébert. Faut plus penser. Et maintenant, on va s'allumer la hi-fi. Ouais.
On est à poil? Oh ben non, c'est pas possible que je me sois tapé ça. Je me suis pas envoyé en l'air depuis la rue Saint-Denis. Bébert! Oh, Bébert! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, viens voir. Oh. Fous-moi la paix, j'ai encore sommeil. Non mais réveille-toi, là, j'ai quelque chose à te montrer. Hein. Oh. Bon, c'est quoi? Bah, tu vois ce que je vois, là? Ah, c'est des pieds? Ah, bah oui. Mais à qui sont ces pieds, là? Ah, ils doivent être à nous. Vu le monde qu'il y a ici, ça m'étonnerait qu'on ait des squatters sous la couvrante, ah! Oh. Bah, comment ça se fait qu'on s'est déchaussé pour dormir? Ah, ouais. Allez, là, t'as raison, c'est pas normal. Oui, parce qu'attends-moi, la dernière fois que j'ai enlevé mes pompes, c'était... Pff, oh. Ah ben oui, il y a 6 mois, à l'asile de nuit, hein. Tu m'aurais pas violé par hasard? Oh, violé, non mais ça va pas à la tête, hein. T'as regardé sous la couverture pour voir si t'es à poil? J'ose pas. Tu veux que je regarde? J'aime autant qu'on laisse planer le doute, hein. Quand même, on s'en souviendrait si on avait fait ça cette nuit. Non, pas moi. T'ai déjà dit qu'il fallait pas que je touche à ce truc-là. Moi, les émotions fortes, ça me détraque la souvenance. Ben, y a qu'à regarder. Si on est à poil, c'est qu'on a consommé, là. Écoute pas encore, Bébert. Je voudrais pas que notre belle amitié soit rompue par une pulsion qui ne serait qu'animale. Quoi, cannibale? Dis donc, tu t'es pas regardé? J'ai pas l'habitude de bouffer du racisme, ça veut dire quoi, cannibale? J'ai pas dit cannibale! Quoi? J'ai dit animal! Oh! Bon, de toute façon, on va pas rester là à faire des suppositions sur notre emploi du temps de cette nuit. Là. Remarque que ça m'étonnerait pas tellement qu'on ait franchi les limites de la courtoisie, hein? Bon, bah, et pourquoi, s'il te plaît? Bah, on a quand même joué au papa et à la maman avant de se coucher, hein? Ouais, ouais. On a surtout éclusé 4 bouteilles de Saint-Amour après avoir bandé la petite. Et alors ça, ça fatigue, hein. Des dents? Oh, quoi encore? Bah, tu vois pas que je suis enceinte? Oh, oh, bah, voilà autre chose, tu vois. Oh. Bon, alors d'accord, si t'es enceinte, on le filera à la SPA. Là! Oh! Bon, écoute, on a assez rigolé comme ça. Moi, je regarde. Ah ben, c'est bien ce que je pensais, je suis pas en état. Mmh. Ah, ça, ça veut rien dire. Tu peux pas rester en état jusqu'au matin, ou alors c'est de la tétanie, hein. Bon. Je suis pas en état, je veux dire que j'ai gardé mon froc, si tu veux savoir. Tiens, regarde. Je suis boutonné de partout, c'est infranchissable. C'est la ligne Maginot, le mur de l'Atlantique, la muraille de Chine. Y a pas de raison que tu sois à déloquer si moi je le suis pas. Mais regarde si t'es à poil, je te dis. Ouais, ouais, je vais regarder. Eh ben on regarde. Oh! Bon, ça va, Bébert. Tout est en place. Eh ben. Ah, oh, j'ai eu peur, hein. La brouette indo-chinoise, c'est pas encore pour cette fois-ci, hein. Non, mais comment ça se fait qu'on a enlevé nos godasses, hein? Alors ça, j'en sais rien. En tous les cas, moi je te rassure, hein. Côté radada, il y a longtemps que j'ai mis ma libido à la caisse d'épargne, hein. Mon écureuil a paumé ses noisettes. Ah, oh. Oh. Ah bah vous êtes encore au lit, mais je crois pas ça, vous inquiétez pas. Monsieur l'agent, j'ai préparé votre poubelle, allez-y. Voilà. Voilà, c'est pour vous. Eh. Vous êtes sûr que ça va, hein? Non mais la bébé a raison, un CRS coffre des fleurs, c'est pas normal, hein. Ah non, non, là, là vous avez pris un coup de boule qui a détraqué votre comportement, hein. Mais non, les fleurs, c'est pour vous remercier de votre accueil l'autre jour. Bon, alors, allongez-vous, faut pas rester debout. Tenez, acceptez encore ce petit cadeau en signe d'amitié, ça viendra agir, ça. Allez, allez, non, c'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. C'est du Jésus. Oh. Vous permettez que je passe vous voir de temps en temps? Oh, bah, à l'occasion, ouais. Eh bien, au revoir, monsieur Bébert. Voilà, c'est... Au revoir, monsieur. Rongier, monsieur Rongier, enchanté. Ah, non, c'est là, voilà. Ah, oui, c'est... Oh. Allez. Maman! Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Le loto. Quoi, le loto? T'as les 6 bons numéros et le complément. Oh. J'ai gagné. T'as le 13, le 14, le 20, le 22, le 32, le 34, le complémentaire, le 19, c'est ça? J'ai gagné combien? C'est marqué, c'est là. 60. 60 francs. 60 millions. Ah, 60 millions. C'est que t'as gagné 60 millions. C'est la cagnotte, bébé. Je me suis tapé la bouillotte, je me suis gagné. J'ai gagné 60... Ça fait 6 milliards. Ah, 6 milliards pour bébé. Ah, nom de Dieu. Allez, ça s'arrose. Allô, le gagnant du loto à l'appareil, je l'écoute. Ah, bonjour mademoiselle. Ah oui, les télécoms. D'accord, je ne quitte pas. Ah, bonjour monsieur le directeur. Non. Ah, écoutez, vous avez eu la gentillesse de me faire une installation téléphonique provisoire. Ah, je devais bien faire un geste pour le comité d'entreprise des pétécoms. Ah. Non, mais qu'est-ce que c'est que 100 000 francs de nos jours? Ah, ben, oui, ça marche très bien. Que, s'il y a de la friture, bah écoutez, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Hein. Ah, bah, bien entendu, je sais, ça vient de la ligne. Ah non, mais attention. Attention, ici, il faut mettre du 18 ou du 20 au bout du fil. Hein. Sans ça marche pas. Hein. Comment il n'y a que le 16 qui fonctionne pour Paris? Vous trouvez pas que c'est un peu gros? Moi, dans le temps, j'avais un copain qui habitait à Nières. Vous savez avec quoi il les attrapait? Avec du 22. Au revoir, monsieur le directeur. Bon, c'est... Oh, ah, c'est pas vrai. Allô, le gagnant du loto à l'appareil, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes concessionnaire chez Jaguar. Je regrette, je viens d'acheter une Rolls-Royce. Je vous rappellerai la semaine prochaine quand je vais la changer. Au revoir, monsieur. Oh, ah ouais. Bon, allez au boulot. Oh là 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 là. Comment elle s'appelle, cette bonne femme? Madame. Ah, Madame Power. C'est le... Ah, pardon. Manpower. Oui, c'est le gagnant du loto à l'appareil. Ben, j'avais demandé une secrétaire pour aujourd'hui. Ah, comment ça se fait qu'elle n'est pas venue? Elle fait le pont. Et moi, bébé. Alors. J'ai apporté un camembert chez Fonchon, là, puis un petit beau gelé de chez Dia. Oh là. On met ça où? Eh ben, tu mets ça... Ah bah tiens, tu termines la nature morte que t'as commencé il y a 3 jours. Voilà. Ah. Ah bah voilà. C'est quand même pas ça qui t'a pris toute la journée. Qu'est-ce que t'as fait depuis ce matin? Oh, ça me chatouille ça! Va coucher, sale bête! Je suis restée toute la matinée chez Alexandre pour ma coupe et mon bronchite. J'ai mangé sur le pouce à la maison du caviar, puis après je suis allée m'acheter une nouvelle robe chez Carrefour. Je suis passée chez le professeur Klungenmeyer là, pour mes piqûres de cellules fraîches. C'est... Oh, et les poissons! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, regarde, t'es en train de mettre mon ablette dans le pot de fleurs, là. Regarde. Ah! Quand même! Excuse-moi, je pouvais pas savoir. Oh. Et après, j'ai rencontré une vieille relation de trottoir.
On a prédicté sous le pont Mirabeau. Voilà que je suis à présente un jour. On l'appelait Marie Pompe à huile. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle faisait des gâteries aux députés derrière l'Assemblée nationale. Après, j'ai fait des courses. Écoute, je suis vannée, hein. Je boirais bien quelque chose, moi. Champagne? Volontiers. Je vais sonner Lucien. Y a pas à dire, mais c'est beau la richesse, hein. Moi, je me rends compte que je devais pas être faite pour la vie que j'ai eue, parce que dans le fond, j'ai l'étoffe d'une femme du monde. T'es vachement sympa de m'en faire profiter, bébé, parce que c'est pas moi qui ai gagné au loto, hein. Tu sais, il faut gâter les amis quand on en a. Les vrais, ils sont encore plus rares que les gros lots, hein. En tout cas, ma vie a changé depuis que t'as touché le jackpot. Qu'est-ce qui me plaît chez toi? Eh bien, c'est que t'as pas trop la folie des grandeurs. Tu sais, la fortune, quand elle te tombe sur le coin de la misère, c'est un petit peu comme, comme la plongée sous-marine. Faut remonter doucement à la surface si tu veux pas faire exploser tes artères. Ouais. Pourquoi t'as acheté un piano? Chez les riches, il y en a toujours un. Bah, tu sais en jouer? Ouais. Enfin, non, juste un peu de la main droite. Non, je prenais des leçons avec une amie de ma mère qui aimait bien les jeunes gens, alors... Je gardais la main gauche en réserve. Ah. Je jouais du piano avec la main droite, avec la main gauche, de la contrebasse avec ses jartelles. Non mais qu'est-ce qu'il fout, Lucien? Monsieur m'a sifflé? Eh oui, deux fois. Ah, mon cher Lucien, apportez-nous du champagne, madame Yvette à la dalle en pente. Oui, oui, alors à cet effet, je signale à monsieur que le réfrigérateur de ma caravane devient trop petit. Comme celle-ci est déjà encombrée par tout le courrier que nous recevons, non, je suggère plutôt à monsieur d'acheter un mobile home. On pourrait le garer sur le pont. C'est vrai, j'ai obtenu l'autorisation du commissaire de police du quartier. Il a reçu mon chèque? Oh oui, alors là, il vous remercie beaucoup. Il est très content. Hein? Il peut, hein. Madame Yvette désire quelle marque de champagne? Moi, alors là, je m'en tamponne les papilles. Hein? Non, l'important, c'est que ça mousse. Apportez-nous le meilleur. Le meilleur? Ouais. Je vais voir si j'ai cette marque-là. Pourquoi il a gardé sa matraque, là? Je sais pas, par nostalgie, sans doute. Ouais, ici, on peut pas installer d'alarme. Hein. Alors, avec la matraque, au lieu que ça soit l'alarme qui hurle, alors là, c'est le voleur qui gueule, hein. Mais ça suffit pas, bébé. Avec tes œuvres d'art, là, c'est pas prudent de vivre sous un pont. Oh, écoute, j'ai filé 30 briques au commissaire de police du quartier pour ses œuvres sociales. Quand même. Bah, il fait faire des rondes, jour et nuit. Mais de toute façon... Avant l'hiver, on aura emménagé dans la propriété que j'ai retenue en Sologne. Ouais. Moi, la campagne, je sais pas si je m'habituerai. Mais si... Dans le courrier que nous avons reçu ce matin, on propose à monsieur de lui faire tourner un film publicitaire. Ah bah voilà autre chose, tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est pour une nouvelle marque de slip. C'est pour le slip Erectus. Alors, n'est-ce pas? Il voudrait montrer monsieur en slip sur les bords de la Seine, disant, avec Erectus, toujours plus. Moi, en ce qui me concerne, ça serait plutôt moi, hein. Voilà, t'as tort, bébé. Moi, ça me plairait, là, faire comme les super nanas à la télé. Tu ferais quoi, toi? Moi, je ferais quoi? Moi, j'arriverais juste avant le journal de 20h, fraîche et distinguée. Après, je me mettrais toute nue pour vendre les yaourts et les biscottes. Ouais. Comme dit monsieur Poilane, il n'y a pas de honte à montrer ses miches pour se faire du blé. C'est vrai. Bon, tu as bien traqué avec nous, monsieur l'agent. Ah non, alors là, je te montrerai respectueusement à madame Yvette de ne plus m'appeler monsieur l'agent. Mais vous savez, depuis que j'ai quitté les CRS pour rentrer au service de monsieur Weber, je ne suis plus du tout le même homme. Voyons, j'ai acheté des cigares monétaires pour constituer ma retraite, j'ai un plan d'épargne logement, et comme j'ai beaucoup moins de frais pharmaceutiques, je place toutes mes économies dans les dom-doms pour bénéficier des réductions d'impôts. Hein. Vous voyez, ma position sociale a changé. Bah, votre langage aussi, hein. Ah bon? Bah, comment ça se fait que vous vous êtes mis à nous parler à la troisième personne? Comme monsieur m'excuse, mais vous savez, j'ai toujours eu l'habitude d'obéir à mes supérieurs. Alors, comme je ne peux plus mettre mes petits doigts sur la couture du pantalon, j'ai mis mes paroles au garde à vous. Oh, ouais, c'est vrai. Et poète, ouais, en plus. Ah, attends, là. Hein? Allô? Oui? Et? Ah non, monsieur, désolé. Ici, c'est son majordome. Majordome! Hein? Ah! Vous êtes gestionnaire de patrimoine à la Japanese Bank. Une seconde. C'est un japonais qui voudrait s'occuper des affaires de monsieur. Un japonais? Oui. Bah, alors, dites-lui que de ce côté-là, le personnel, il est au complet en France. Hein. Taoshi, Oso, Otokoji!
Là, j'aime mieux vous dire que le japonais, il est saqué. Hein. Attends, bébé, là, j'y pense tout d'un coup. En buvant le coup avec Marie Pompahuit, elle m'a demandé si tu pouvais pas faire un geste pour un groupe de putes au chômage. Oh, bah, et quoi encore? Alors, il y a Manon Latouche, Mina Lécluse, Cul d'Acier et Louison la Limaille. Une fois qu'on sera en Sologne, tu pourras peut-être les prendre comme femmes de chambre. Oh non. Ben comme elles ont travaillé au bois de Boulogne, avec les étangs et les forêts, elles seront pas dépaysées. Bon, elles voudront jamais aller en Sologne. Les licenciés économiques, ça aime pas être transplanté, hein. Ah, puis moi, je suis pas spécialisé dans le rachat des entreprises. Dis à tes tapins qui n'ont qu'à taper tapis. Oh. Oh. Allô, le gagnant du loto de l'appareil, j'écoute. Quoi? Vous êtes installateur de cuisine? J'en ai pas besoin, monsieur. Ah, non, il y a 20 ans que je mange froid. Oh, 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 non, j'ai pas besoin de salle de bain non plus. Hein. Ça m'obligerait à acheter du savon. Oh, oh là là. Nous avons là un assureur qui voudrait vous assurer. Alors, il vous propose un contrat sur la vie, la mort, la retraite, les accidents de la route, d'avion, de bateau, de chemin de fer, le vol, non, le viol, pardon, l'incendie, le dégât des eaux, la tempête, l'humidité, la sécheresse et toutes les calamités découvertes et à découvrir. Enfin, ça fait déjà 3 fois qu'il vient cette semaine, je vous préfère. Bon, alors, virez-le, hein. Oui, monsieur, veut-il que je m'assure que l'assureur est assuré? Bah, contre quoi? Hein, contre les accidents corporels, ça va pas être long. Ah, non, non, faites pas ça. Oh, pas les dents! Oh, pas les dents! Oh, non. Oh. Oh. Allô, gagnant du loto, j'écoute. Allô? Oh, la deuxième ligne. Oh, là. Allô, gagnant de l'appareil au loto. Le gagnant de l'appareil. Enfin, j'écoute, quoi. Ah, ça, je crois pas. C'est toi, Christiane? Ma femme qui m'appelle au bout de 20 ans! Ah, excuse-moi, j'ai oublié le son de ta voix, hein. Ah là, il faut que je mette le haut-parleur du téléphone. Ah si je veux faire écouter ta voix à tous les rats qui ont partagé mon pain, à tous les chiens galeux qui sont devenus mes amis, et surtout à toutes les puces qui t'ont remplacé sur ma peau. Oui, je sais bien, tu as dû te demander ce que j'étais venu depuis ce temps-là. Ah oui, au début, je me le suis un peu demandé, ouais. Figure-toi que j'ai eu ton téléphone par une amie qui travaille à la télé. Je t'ai même vu dans l'émission 10 millions pour les pauvres. Tu sais, Robert, tu n'as pas changé. Moi aussi, Christiane, j'ai changé, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te dire que toi et moi, on pourrait peut-être repartir à zéro. Repartir à zéro? Mais c'est impossible quand on a 6 milliards, voyons. Oh, Robert, quand on aime... On ne compte pas. Oh, pardon. Quand on aime, ça n'empêche pas de compter. Tu dois certainement avoir besoin d'argent si tu m'appelles au bout de tant d'années. Ah, si ça peut nous rapprocher... Eh ben voyons. Oh, la salope. Alors écoute-moi, Christiane. Je vais t'envoyer 100 balles. Si un jour tu rencontres un clochard, tu n'auras qu'à le mettre dans sa casquette. Ça sera peut-être la seule façon de me dire que tu m'aimes encore un peu. Allô? Allô, combien voulez-vous? Où? Quand? Comment? En chèque, en lingots, en liquide, en banque du trésor? Je suis là pour personne, j'en ai marre. Allô, dépêchez-vous, je suis encore là pour un tout petit peu. Quoi? Je ressemble à votre père? Eh ben tant pis pour lui. Oh. Et là, il y a un journaliste d'ici dimanche au-dessus du pont, il voudrait savoir si t'as été malade et si t'as eu des enfants. Dis-lui que j'ai jamais pu avoir d'enfants parce que j'ai attrapé la myxomatose en baisant comme un lapin. Ah, oh. Oh. Alors, je suis là. Ah. Je signale à monsieur que je viens d'écouter France Info, la bourse a encore baissé. Alors vendez tout bien. Il y a une délégation des clodos de Paris au-dessus du pont, ils veulent créer un syndicat et nommer président. Oui, bien, la dame qui vous a donné le billet du loto réclame un pourcentage. Le curé de la paroisse aimerait te voir. Rabbi Jacob aussi. L'imam Abdallah aussi. La petite sœur des pauvres aussi. Les petits frères des riches aussi. L'armée du salut aussi. L'abbé Pierre aussi. Harlem Délire aussi. La SPA aussi. Brigitte Bardot aussi. Bougrain du Bourg aussi. Ah, bien, il y a l'assureur qui voudra récupérer son dentier parce qu'il a un steak à bouffer. Non, assez. Enfin, assez les... Laissez-moi tout seul, allez-vous-en. Allez-vous-en. Laissez-moi tout seul, sans plus personne, sans téléphone. Tout seul. Oh!
sol comme au temps où les clochards inspiraient encore les poètes. Comme au temps où les émigrés de la mouise n'étaient pas encore foutus à la rue par eux, dans les progrès de l'humanité. Quand j'avais que la lune pour éclairer mes nuits. Quand l'étoile de maître ne cachait pas encore celle des araignées. Mais laissez-moi miauler avec les chats de gouttière pour donner la sérénade à la seule femme qui m'ait jamais aimée, la Seine. Et rendez-moi mes rêves en bouteille, mes fêtes sous les étoiles et mes guenilles de soirée. Et laissez-moi tout seul sous ma cloche en pierre. Je ne veux plus voir personne. Monsieur Roquefort Robert. Lui-même. Marcel Flocard, inspecteur des impôts. Ah! Ah non! Non! Pas lui! Ah non! Monsieur Flicard, vous êtes déjà là. Pas Flicard, Flocard. Vous devriez le savoir depuis 2 semaines que je viens ici. Monsieur Roquefort sort de l'hôpital aujourd'hui. Il vous prie encore de l'excuser pour ce retard dû à la baisse brutale du niveau de la Seine. D'habitude, quand il se fout à l'eau, on le repêche toujours, mais ce coup-là, vous ne pouvez pas prévoir que le fond était remonté à la surface, quoi. Alors, il est tombé sur la tête, hein. Est-ce qu'il a une fracture du crâne? Hein? Ah non, il n'a pas de fracture, mais c'est très mal reçu. Ah, s'il n'a pas de reçu, je ne peux rien faire. Ouais, bah vous pouvez rien faire, bah qu'est-ce que vous faites ici avec tous ces papiers, alors, hein? Ce sont les archives de Monsieur Roquefort. Le contrôle doit s'effectuer sur place. Je croyais que les gains de jeu n'étaient pas imposables. Non, mais ils vont lui permettre de rembourser les sommes qu'il doit à l'État, puis sa disparition il y a 20 ans. Alors avec les amendes, et les intérêts de retard, ça va chiffrer. On peut savoir comment vous avez retrouvé Bébert? Sa photo dans le journal. Vous savez, la célébrité est souvent un motif de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a comme surface corrigée ici? Il y a moi. Enfin, la figure, quoi. Bébert m'a payé l'Institut de beauté. Combien? Ça va pas, non? Je vous signale que j'ai abandonné le métier depuis longtemps. Puis je vais pas tomber dans le piège de la corruption de fonctionnaires. Non, non, je demandais combien avait coûté la séance à l'Institut de beauté. J'en sais rien. C'est un cadeau. Faudrait peut-être que je vous dise combien on martyrait de poils du nez. Non, mais je rêve. C'est ça, votre boulot? Vous avez fait beaucoup d'études pour emmerder le monde. Mais ne vous fâchez pas, madame Yvette. Je fais mon métier. Puis d'abord, m'appelez pas madame Yvette, hein. On n'a pas gardé les contribuables ensemble. Oh, mais vous faites quand même pas ça par vocation. Non, chez nous, on est inspecteur de père en fils. Ah ouais, vous avez un fils? Je ne suis pas marié. Oh, ben merde, alors. Vous n'avez pas pu trouver une femme, là, qui vous fabrique un petit contrôleur? Maman s'est toujours opposée à ce que je me marie. Ah ben, vous avez bien une petite amie. Je vis chez ma mère. Eh ben, comment vous faites pour... pour récupérer votre TVA? Pardon? Quand vous avez une valeur ajoutée, vous allez rue Saint-Denis? Oui. Non! Oh, vous me gênez beaucoup, madame Yvette. Oh, on peut parler, non? Depuis 15 jours, là... On a quand même appris à se connaître, hein? Ah, certainement, mais à l'école des impôts de Clermont-Ferrand, on nous apprend à ne pas trop attirer la sympathie des gens qu'on redresse. Hein? Ben moi, quand j'étais rue Saint-Denis, c'était le contraire. Vous n'avez pas un peu de sympathie pour moi? Si, bien sûr. Surtout que je ne suis pas concernée par votre vérification approfondie. Avec Bébert, j'ai que des liens d'amitié, hein? Dites-moi à ce propos, là, j'espère que vous n'allez pas trop saler sa note.
Je ferai de mon mieux, madame Yvette. Parce que quand on vous regarde bien, on a l'impression que vous n'êtes pas fait pour ce métier. Oh. Vous savez ce qu'il y a au fond de vos yeux? Non. Du romantisme. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Vous savez, parfois, il m'arrive de rêver que je suis un grand pianiste. Bon, je joue un petit peu de piano comme ça, mais la musique sans inspiration, c'est pas de la musique. La batterie, ça m'aurait plu, ça aussi. Ah ouais? Oh, ben écoutez, faut pas vous plaindre, hein. Au trésor public, il y a une grosse caisse. Ah! Vous avez de l'humour, madame Yvette. Eh ben, heureusement. Hein. C'est tout ce qui me reste. Oh, alors. Ben... Ouais. Il est beau, hein? Très beau. C'est malheureux que personne s'en serve. Ça oui. Mais père m'a dit qu'il en avait un peu tenté dans sa jeunesse, mais uniquement de la main droite. Évidemment, ça diminue le plaisir. Avec les deux mains, c'est quand même mieux, hein? Oui. Moi, ce qui me plaît, c'est les trucs à quatre mains. Oh, ben vous qui connaissez la musique, vous pourriez peut-être l'essayer. Madame Yvette, et si Monsieur Roquefort revenait? Et alors? Vous pouvez bien vous distraire au milieu de votre boulot. Vous faites jamais de pause? Si, mais de cette façon, pas souvent. Ça vous tente pas un bel instrument comme ça? Mais si, bien sûr. Écoutez, je voudrais pas vous vexer, hein, mais dans ma position... Ouais, ça c'est sûr, votre position, elle est pour les bras assez longs. Hein. Bon, laissez-vous faire et venez vous asseoir sur le tabouret, là. Vous voulez que je me mette sur le tabouret? Ah ben, vous avez l'habitude de rester debout? Ça m'est arrivé, mais c'est pas ce que je préfère. Bon, allez, venez, comme ça vous sera à la bonne hauteur. Parce que vous, vous allez rester debout? Non, ben, moi, je peux m'asseoir sur une chaise, hein. Bon, c'est pas raisonnable. Oh, mais si on était raisonnable, on ferait jamais rien, hein. Allez. Bon, eh ben voilà. Ah ben, tournez-vous. Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est dans l'autre sens. Eh ben, vous êtes pas doués, hein. Et les petites mimines, on les met où, les petites mimines? Du piano. Puis c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le clavier. Oh! Oh, c'est... Oh! Oh, je vous demande pardon, madame Yvette. Ouais, bon, allez-y, jouez, je vous écoute. Je joue. Ouais. Bon, très bien, c'était très joli, mais on ferme. Vous êtes meilleur dans le contrôle, hein? Ça y est, monsieur Weber est sorti de l'hôpital. Je viens de ramener en voiture. Ah! Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Une Rolls, monsieur. Rolls? Bah, bien sûr, c'est pas une Rolls Mops. Non, mais là, la Rolls, on l'a laissée au garage, parce que ça fait 10 fois qu'on nous vole le bouchon du radiateur. Alors, je préférais la laisser au garage. Bon, dites-moi, je vais le chercher, là. Je vous demanderai simplement de l'accueillir avec gentillesse, parce qu'elle est encore très faible. Voilà. Bah, ne bougez pas, monsieur, il remue. Je hein. Note deux voitures, dont une Rolls Mops, une Rolls-Royce. Signe extérieur de richesse. Ah ben, vous avez de la suite dans les idées, vous, hein? Ah, l'automobile est un de nos principaux points de repère. Ça permet à l'administration d'évaluer le train de vie du contrôleur. Alors, si les Rothschild avaient un vélo, ils paieraient moins d'impôts. Oh, Flocard! Oh! Oh, mon inspecteur! Flocard, vous ici, combien vous dois-je? Eh bien, je suis en train de faire le compte de vos arriérés. De mes arriérés? Mais comment se fait-ce? J'avais pas tout payé il y a 20 ans. En prenez une avance. Non, faites pas attention, là. On lui a donné des calmants, il soit l'homme. Mais total champagne pour tout le monde. Bien, monsieur. Flocard, je suis impardonnable. Pendant 20 ans, je me suis vautré dans la débauche. Pendant que vous vous faisiez des cheveux pour savoir ce que j'étais devenu. Oh, mais tu parles, il est en train de te piquer ton pognon, oui. Mais il a raison, mille fois raison. Je dois être puni pour mon insouciance. Mon père, je m'accuse d'avoir vendu des canalances et des moulinets des hameçons, d'avoir oublié la TVA sur les épuisettes, d'avoir élevé des vers de vase et des asticots sans les déclarer à l'URSSAF. Oh.
mon père. Pardonnez aux pauvres pêcheurs qui se repent devant vous. Ah là, dégueulasse. Non mais, les articles de pêche a toujours attiré les maquereaux. Alors qu'on m'amène des chiffons, qu'on m'amène du cirage, qu'on m'amène des brosses à reluire, et je ferai briller les chaussures de l'État jusqu'à museler la peau des genoux. Et si jamais je ne parviens pas à leur redonner l'éclat du neuf, alors que la honte rejaillit sur moi et que le remords m'enveloppe dans sa chape de plomb pour l'éternité, poil au nez. Oh là là, et il a dû prendre trop de Valium. Ça m'a fait la même chose quand j'ai eu ma dépression. Ah, je connais ça, vous savez. Moi, c'est grâce à M. Weber que j'ai pu me guérir dans le secteur privé. Hein. Bon, dites-moi, où est-il passé, là ? Bah, il est sous le tapis. Il prend un peu de repos. Oh. Ouais. Allez, je vous laisse. Oui. Je reviendrai demain à la même heure. Non, bah non. Maintenant que le champagne est servi, buvez un coup avec nous, monsieur l'inspecteur du fisc. Je ne voudrais pas m'imposer. Hé, hey, l'inspecteur du fisc qui veut pas s'imposer. Alors là, c'est comme quand j'étais CRS, il m'était donné des coups de matraque. Attendez, j'ai encore plus marrant. Vous allez vous marrer. Parce que moi, quand j'étais CRS, j'en imposais avec ma matraque. Mais alors lui, il nous matraque avec ses impôts. Elle va, ça va. C'est hilarant. Et elle n'est pas rigolée. Bah, non. Bon, Weber, le champagne est servi, là. Weber. Oh, ça, c'est la meilleure. Il s'est endormi. Revoir Monsieur Rexford, moi, ça me rajeunit de 20 ans. Vous savez, Madame Yvette, dans notre métier, on s'attache aux contribuables. Nous sommes en quelque sorte les chirurgiens du portefeuille. Alors, pendant l'opération, on observe les organes les plus intimes de son économie personnelle. Et croyez-moi, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Mais, bah, je ne sais pas comment vous vous y êtes pris pour l'intervention, mais là, il est encore sous l'effet du choc opératoire, hein. Allez, dites-moi, monsieur l'inspecteur, vous n'avez pas honte de traquer les gens comme ça? Mais Lucien a raison. Depuis qu'il a gagné au loto, il nous a comblés de cadeaux, il a distribué des millions à tout le monde. Hey, il a même retenu une propriété en Sologne pour nous éviter de passer l'hiver sous les pauvres. Non, oh ben non. Mais depuis, il n'a que des emmerdements. Vous trouvez ça juste, monsieur Flocard? Non, non, bien sûr. Tenez, moi qui vous parle, monsieur l'inspecteur, j'étais fonctionnaire de police. Eh bien, monsieur Weber m'a arraché aux griffes des bouffards de flics. Non, vous en connaissez beaucoup, vous, des proies faciles comme lui, qui pousseraient la bonté jusqu'à ne pas avoir de haine et de rancœur contre un aigle comme vous? Non, bien sûr. Mais l'aigle, venez me voir. Allez, au parloir. C'est quoi votre prénom? Marcel. Seriez-vous insensible à la beauté des sentiments, Marcel? Non, bien sûr. Seriez-vous capable d'imposer un homme à terre? De piétiner la sympathie naissante d'une femme qui n'a jamais connu l'amour, Marcel? Non, bien sûr. Bon, alors regardez Lucien, là, qui n'était qu'une brute policière au faciès d'imbécile. Oh ben là, là, vous exagérez un peu. Qui avait une intelligence bien au-dessous de la moyenne, élevée par un voyageur de commerce qui lui gâtait les dents avec des boules de gomme. Ah là, là, c'était des redoudous. Eh bien, monsieur le président, messieurs les jurés, cet homme ici présent a eu subitement une prise de conscience. Il a préféré laisser tomber une situation sans avenir pour entrer dans l'univers poétique des clochards qui vivent sous les ponts. Je dis pas le contraire, mais c'est surtout parce que j'en prenais plein la gueule aussi. Alors savez-vous ce qu'il a fait là, ce zéro des temps modernes? Alors pardon, c'est Zorro des temps modernes. Il a sauvé la vie d'un éphémère qui s'écroulait sous le poids du loto. Je peux pas dire, ça m'a coûté bien cher, mais je vous assure, ça m'a rapporté gros. Alors Marcel, mon petit Marcel, maintenant je fais appel au cœur que vous cachez sous le portefeuille des autres. Hein. Oui, faites comme moi, Marcel, jetez votre matraque fiscale aux orties, hein, comme j'ai jeté moi-même mon bouclier par-dessus les moulins. Tendez votre main droite. Agissez, là, la droite, c'est mieux, la droite, hein. Agissez sans haine et sans crainte, et dites, je le jure. Bon, alors maintenant, hein, on jure. Oh, je le jure, sur tous les saints. J'ai soif. Ah, soif, oui. Garçon, la même chose. Tout de suite, monsieur. Ah. Voilà. Ma mission n'est pas terminée. Non,
L'humanité a besoin de moi. Et à l'exemple de ceux qui luttent contre la faim dans le monde, je veux lutter, moi, pour une cause trop souvent oubliée, la soif dans le monde. Car c'est très beau de manger, et si on ne boit pas, on étouffe. Que fait-on pour les déshérités, déshydratés de la planète? Rien. Alors, si Coluche a créé les restaurants du cœur, moi, Bébert, je vais ouvrir les bistrots du foie. À nous deux! Dans vos songes les plus secrets, ô redoutable démon femelle. Mais quel est ce langage, bel étranger ? M'attirer comme ça dans votre rêve alors que maman m'avait fait une tisane pour bien dormir ? Cela vous défriserait-il d'entrer dans les pensées d'une femme sans avoir un ordre de mission de notre chef de service ? J'en suis surpris. D'habitude, je passe des nuits très calmes. Il est possible que jusqu'à présent, aucune femme n'ait jamais rêvé de vous. Sans le savoir, je dois être à la recherche de l'homme de ma vie. Peut-être êtes-vous celui-là. Vous me troublez, tout nous sépare. Mais comment Cupidon choisit-il ses victimes? Vous voyez Roméo et Juliette, Héloïse et Abella. Pourquoi n'y aurait-il pas Yvette et Marcel? Eh oui, et pourquoi pas? Alors aimez-moi, faites de moi votre chose. Je serai votre esclave. Mais surtout, n'oubliez pas d'arranger les histoires d'impôts de Bébert en guise de preuve d'amour. Je ferai de mon mieux. Oh, merci Marcel. Oh, ah oh épatante. Vous êtes épatante. Monsieur Redford n'aura plus d'ennui. Ah, merci Marcel, je savais que je pouvais compter sur vous. À mon tour, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez fait la tête de Francis dans votre rêve? Parce que vous avez un côté curé comme lui. Et qu'il émane de votre onction musicale sous-jacente une notion de variation psychologique intégrant de multiples dissonances. C'est vous qui parlez comme ça, Madame Yvette? Mais sachez-le, Marcel, sous mon masque se cache une femme qui n'a pas encore été révélée. Ah, alors là, je peux vous y aider, parce que c'est mon métier de découvrir en allant au fond des choses. Je suis prête à me soumettre à votre contrôle. Si vous acceptez d'être l'inspecteur de mes désirs inavoués, vous êtes mon Franz Liszt et je suis votre mari d'Agou. Mais taisez-vous, on va réveiller maman. Mais nous n'avons rien à craindre, la vieille est loin d'ici. Allez, tu vas jouer pour moi, Marcel. Pour moi, tu vas quitter l'enveloppe qui cache ta véritable nature. Ça va être effroyable. Je vais réveiller tout le monde. Ouais, mais on ne peut pas réveiller les anges. Ils ne dorment jamais, les anges. Dormez jamais, les anges, Junior. Ils m'ont ouvert les yeux sur toi durant le sommeil qui nous rapproche. Par contre, moi, là, j'y vois plus grand-chose comme ça. Oh, bah oui. Ah. Allez, vas-y, Franzi. Thank you.
la page. Vous n'allez pas la retrouver. Hein? Où est-ce que vous êtes là? Oh. Où est-ce qu'il est passé encore? Mais Lucien, je suis assis sur la banquette arrière. Alors, où est-ce que je vous dépose? Bah, garde-toi le long du matelas et encore une place de libre. Ah. Est-ce que t'as de la monnaie, Lucien? Allez, je vais regarder. Hein? Une petite pièce. Alors, attention. C'est froid, et pourquoi vous faites ça? Je mets des sous dans le parc-mètre. Ah! Je me fous pas! Non! Je vérifie l'alarme. On a piqué ma bagnole. Moi, je veux pas qu'on me pique mon chauffeur parce que je t'aime bien. Moi aussi, je vous aime bien, mais enfin, c'est pas une raison pour m'écraser les pieds. Ah, si, c'est une raison. Cette nuit, on m'a tout piqué. Mon carnet de chèque, ma bagnole, mon fric. Mais à qui la faute aussi? À qui la faute, hein? Vous déballez tout, là, sur le comptoir, devant des pauvres types qui m'ont dit pour un coup de rouge. Et toi, tu étais bien visible à côté de moi. Et on aurait pu te piquer. T'es tout ce qui me reste, Lucien. Je veux pas qu'on te pique. On va pas me piquer, voyons. Eh ben, c'est pour ça que je mets l'alarme. Ouais. T'as de la peine de voir ton ami dépouillé par tout le monde, hein? Oh, j'aurais jamais cru que tu m'aimais comme ça. Est-ce que c'est beau un homme qui pleure? Un ami qui, pour vous, a la larme à l'œil. Ah non, pas la larme dans l'œil, hein? Pas dans l'œil, la larme. Qu'on arrête de jouer avec les alarmes maintenant, hein? C'est fini, on range. Tu vois, Lucien, je suis pas qu'un miséreux. Je suis un misérable, un coffre-fort éventré qu'on étripe pour nourrir les cochons. Je suis juste bon qu'à servir d'appât aux poissons de la Seine et je vais me foutre à l'eau. Arrêtez, ne faites pas ça, voyons, non pas. Ça, faites pas ça, enfin. Il vous reste encore assez d'argent pour qu'on soit heureux. Alors lance-moi à l'eau, Lucien. Puisque j'attire les requins, eh ben, on va pêcher au vif. Arrêtez, je vais jamais pêcher de ma vie. Bébé, faites pas l'endouille. Tiens, ça y est. Une poule canne dans l'œil en plus, hein. Lucien, ouais. Je veux mourir. Va chercher ta matraque et donne-moi le coup de grâce. Je souffre trop de la cupidité qui m'entoure, plus que je suis milliardaire. Oh Lulu, je t'aime. Je t'aime un peu. Aïe. Beaucoup. Aïe. Passionnément. Aïe. La femme fait en plus, hein. Achève-moi. Dans les cas désespérés, on peut bien pratiquer l'anastasie. Hé ouais. Hey. C'est pas l'euthanasie qui vous vaudrait, c'est une bonne douche glacée. Alors aide-moi. Oui. Aide-moi, Lucien. Voilà. Fais-moi la courte échelle pour que je me foute à l'eau. Mais ça commence à te bien faire. Attends, oh, hey, hein, monsieur Redford, commencez à me briser, là, hein. Allons, là, je commence à regretter d'avoir quitté la police pour rentrer à votre service. C'est avec moi, croyez-moi, il y a longtemps que vous seriez au bloc. Quoi? Oui. Quoi? Tu voudrais me jeter en prison, moi qui ressemble à ton père? Toi que j'ai trouvé dans une poubelle? Oh mon Dieu, pourquoi avez-vous permis que je réchauffe un CRS sur mon sein? Bon, allez maintenant ça suffit, au lit tout de suite. Non, je ne vais pas me coucher. Ah. Parce que moi la police, monsieur, je veux l'affronter derrière la barricade de mon mépris et la barrière de mon indifférence. Maintenant, monsieur Weber, je vais être obligé de vous passer les menottes. Quoi? Tu voudrais me passer les menottes? Moi qui t'ai rendu la liberté, j'en appelle aux droits de l'homme. À moi les casques bleus. Ça suffit. À moi. Allez, couchez tout de suite. Hein, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que monsieur Weber tient la mufle de sa vie. Voilà ce qui se passe. Yvette, viens dans ma prison pour recueillir mon dernier soupir. Ah bah ça tombe bien si je peux recueillir quelque chose aujourd'hui. On m'a fauché ma poussette toute neuve alors. On vous a volé votre voiture? Ouais.
Et vous avez les papiers des véhicules? Non, mais qu'est-ce qui vous prend, Lucien? C'est ma poussette. En parlant, oui, c'est... Il n'y a pas que ça qu'on m'a fauché. J'étais à la foire à la ferraille, le temps que je me baisse pour faire mon étalage, on m'avait tout gaulé. Mon fonds de commerce, il y avait 3 bouteilles de champ, pas de la robe de soirée bleue, il y avait le chapeau calé avec. Yvette, viens. Viens, ma Cléopâtre. Ton Antoine va clamser. Et puisque t'as pas pu obtenir la clémence de Flocard, va chercher un aspi dans ma boîte à asticots et viens mourir dans mes bras. Oh, mais il va pas bien. Ouais, vous savez, moi non plus, hein, je fais pas bien, madame Yvette. Ah non, non, la fortune, c'est pas fait pour les braves gens. Non. C'est trop lourd à porter. Oui. Allez, regardez Babert, là. Hein. Il s'est fait les muscles en taillant sa vie à coups de burin. Eh oui, regardez mes muscles. Ah. Ouais, ça, vous savez, quand on a l'habitude de charrier des pierres, un kilo d'or, ça pèse des tonnes. Ouais, hein. Ça me rappelle un truc que j'ai appris à l'école, ça. Ah. Une fable. Oui. Le savetier. Et le crédit lyonnais. Et... un clochard chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Et tout d'un coup, le fric imbécile lui désigne sa poésie, comme l'orage sur le toit d'une maison. Alors, rendez-moi mes chansons et mon somme, et reprenez tous vos écus. Ah, et bien alors justement, à ce sujet... Ah, ah, ah non, non, pas lui. Ah, oui, pas lui, pas lui. Avec tiens bon Bébert, Lucie arrive. Oh là là, il sait nager. Fais la planche, respire par le nez. Accroche-moi la barre, voilà Lucien bas les marches. Moi je peux pas voir ça, j'ai horreur de la flotte alors. C'est curieux quand même, chaque fois que je rends visite à monsieur Recfort, il tombe à l'eau. Ah ça y est, on le ramène sur la berge. Madame Yvette, asseyez-vous, là ici, voilà. C'est vous que je suis venu voir. Il faut que je vous parle pendant que nous sommes seuls. Ah, ben, qu'est-ce que vous avez à me dire? Plus rien ne compte si mon Bébert est noyé, alors. Non, non, il vient de se faire gaffer par le fond de son pantalon. Voilà, cette nuit, j'ai rêvé de vous. Vous aussi? Comment, moi aussi? Ben, cette nuit, vous êtes venu jouer de la musique dans mon rêve. Oh. Et nous étions amis. Vous me caressiez les cheveux. Comme ça? Non, dans le sens contraire. Ah, comme ça. Ouais. Et ce matin, vous êtes revenu pour persécuter Bébert malgré vos promesses. Le réveil est cruel, ça fait mal. Mais il ne faut jamais prendre les rêves au sérieux. Non, ce qui fait mal, c'est votre bas qui se prend dans mes cheveux. Aïe. Bon, qu'est-ce que je faisais, moi, dans vos visions nocturnes? Eh bien, vous me rendiez plus humain. Voilà, je n'étais plus ce contrôleur insensible à qui poinçonne l'étiquette du travail. Je n'étais plus l'inquisiteur d'une religion fiscale qui croit accueillir la fleur en écrasant la graine. Vous êtes revenu à le meilleur sentiment. Eh ben voilà, notre rêve commun m'a converti. Et j'ai trouvé une solution pour sauver monsieur Recfort. Ah ouais, il est sauvé. Ah ouais, je viens de le changer dans la caravane. Moi, dites pas où est-ce que je le dépose, là. Oh, mettez-le ici, là, près de la caisse. Vous lui avez fait du bouche à bouche? Ah non, non, ça je pourrais jamais. J'ai les poumons trop fragiles. Hein. Oh, non, mais vous n'avez pas un brevet de secourir dans les CRS? Si, j'en ai. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, écoutez... Bon, c'est bien pour vous rendre service, hein. Parce que d'habitude, je fais pas ce modèle-là, moi. Oh là 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 là. Oh, ben, qu'est-ce qu'il a, oulala? Oh, ben, je crois bien qu'il a avalé sa langue. Hein. Ah, alors dans ce cas, il faut la lui tirer tout de suite. Oh. Bon. Hé hey, pas vous, lui. Ah, lui. Ah non, je peux pas, il a des dents partout. Oh. Eh ben, flicard, allez-y, puisque vous êtes là pour le sauver. Oui, mais enfin, il y a des limites au dévouement, quand même. Moi, je peux pas, il a dû avaler de la flotte, hein. Eh, vous lui devez bien ça, après tout, hein. Bon, je vais essayer, mais je pourrais pas tenir longtemps. Est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur Flocard a tout arrangé. Oh. Tu n'auras plus d'ennui. Il est revenu pour te rassurer. C'est vrai. Mais oui, monsieur Recfort, vous allez pouvoir vivre heureux grâce à un jeu d'écriture dans le contrôle de votre situation. Vous avez fait ça? J'ai simplement truqué les chiffres. Bon, alors on n'aura plus d'ennui d'argent. Ah, plus aucun. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, profiter de la vie,
Ne plus avoir peur de personne. Tout ça en même temps? Et comment avez-vous fait? Oh, c'est simple. Je vous ai complètement ruiné. Non. Quoi? Grâce à moi, vous n'avez plus un sou. Non. Je suis ruiné? Alors on ne pourra plus rien me prendre? Eh ben non, monsieur Rexford. Ni rien me voler? Ben non, monsieur Rexford. Alors je pourrais pas avoir la télé que je voulais puis qu'empêche de rêver? Ah ben non, monsieur Rexford. J'aurais plus le téléphone qui dérange? Non, monsieur Rexford. J'aurais plus de voiture qui tombe en panne? Ben non, monsieur Rexford. Alors j'aurais plus de sonnerie? Plus de sonnette? J'aurais plus de verrou? Plus de targette? Mais non, monsieur Rexford. J'aurais plus peur de rien? Ben non, monsieur Rexford. Et on pourra m'aimer pour ce que je suis? Oui, bébé. Oh, oh merci, Flocard. Appelez-moi Marcel, ça me ferait plaisir. Eh ben, merci, mon vieux Cécile. Alors, là, vous m'avez convaincu. Hein. Mais c'est fou ce qu'on peut faire quand on n'a plus d'argent. On pourra quand même rester tes amis, bébé. Mais encore plus qu'avant, Yvette. Malgré votre réussite? Eh bien entendu, puisqu'il ne nous reste plus rien, on va pouvoir partager.